Salut YouTube! Bienvenue sur cette rediffusion incroyable et forcément exceptionnelle de Crown World Black Prince. Nous allons découvrir ensemble ce jeu venant de chez Nacon, qui notamment est développé par Tefact Studio, un jeu de type stratégie, un peu au tour par tour, ce genre de choses, un peu comme Mutant Year Zero, et autres jeux qu'on a déjà fait de manière... voilà, assez importante. Ça veut rien dire, mais bref, vous avez l'habitude avec moi. Merci infiniment. Alors, attendez, je vais juste augmenter un petit peu le son, parce qu'on ne s'entend plus. On ne s'entend plus. Allô? Tant que tu as battu Morgoth et Radahn, c'est bon. Ah, bah tant mieux, là. Tant mieux, tant mieux. Niveau 150 pour accéder au DLC de l'Elden Ring. Alors, donc, là, on est sur la carte de France. C'est-à-dire qu'en fait, là, vous allez voir tout ce que j'aime. Ça, je me doutais que ça, tu aimais bien. Là, en fait, au début, on va avoir un petit tuto pour expliquer un petit peu comment ça se passe. Et ensuite, là, on va avoir donc, le hall du seigneur pour avoir accès aux missions. Là, la caserne pour avoir notamment les compagnons et faire un petit peu d'entraînement. Et pour l'instant, c'est tout ce que l'on a. On va finir par débloquer d'autres choses à côté. Et nous avons donc la carte de France. Incroyable. Et là, on va avoir des activités. Et regardez... Vous allez le voir, hop, oui, vous êtes soit vous mettez un certain nombre de jours. Hein, hein. Regardez, oh, c'est la France, incroyable. Ah, c'est la France. Regardez, il y a Calais, il y a Orléans, il y a Paris, il y a Reims, il y a Bordeaux, il y a Pamplune. dans les montagnes espagnoles. Bref, utilisez la carte de France dans le haut du Seigneur pour compléter, protéger ses terres. Ah oui, c'est vrai, donc il faut pas que j'aille là déjà. Il n'y a pas la Suisse, bah la Suisse, ça n'existait pas. Moi. Pardon. Alors, ça c'est la mission. Hein. Voilà, chapitre 1. Et ben on va faire la première mission. Allez, c'est parti. Bon, on est parti pour une petite demi-heure. Hein. Une petite demi-heure sur le jeu pour que vous puissiez quand même voir un petit peu ce que ça donne. Cette guerre de France et d'Angleterre. Eh hey. Bien des chroniqueurs l'ont Français, hein. Français de France, mesdames et messieurs. Ça parle la France. Poitiers, 1356. Ah, c'est, j'oubliais de vous dire que c'était violent. Forces, le roi de France, Jean II, est vaincu. Jean II. Il est fait prisonnier par le fils du roi d'Angleterre. Le prince noir. Depuis plus de Alors, je sais pas à quel niveau ça respecte l'histoire de France. Hein. Là, honnêtement, ne me demandez pas. Moi et l'histoire, ça fait 12. Entre maisons rivales. Je ne sais pas. Une guerre. Donc je sais pas si ça prend vraiment des trucs historiques et des moments historiques et donc liés derrière tout ça à des choses un peu plus surnaturelles. Mais au moins vous savez, Jean II le retrouve. On va raser pour plus une. Au cœur de la tourmente, alors que le chaos règne, une poignée de... Jean de Macoun. Oh punaise, la vieille ref. Oh la vieille ref. Oh je l'ai. Malheureusement, je l'ai. Je l'ai, la ref. Incroyable. Si on te trahit, ce sont les Burgons, on cherche pas Bibi. Incroyable. Bon. Alors, c'est bien beau, ça, mais je veux maintenant, du coup, lancer ma mission, je peux? Ou il va me relancer ma cinématique? Attends. Non, normalement, là, il me lance. Là, c'est bon. Cette guerre de France... Mais, je viens de le voir! Bien des chroniqueurs. Mais, il fait exprès! Bah, qu'est-ce que c'est que ce beans? Mais... Bah, enfin bon. Ah non, mais attendez. Chapitre 1, cinématique 2. Mais oui, mais je m'en fous. Attendez, il y a un truc que j'ai pas compris. Attendez. Utilisez la carte de France dans le hall du Seigneur pour compléter, protéger ses terres. Mais c'est exactement ce que je viens de faire. Le hall du Seigneur... Attendez. Ah, ça commence bien. Ah, mais oui, on est au codex. Ah, mais oui, c'est là. Oh, pardon. Ah, mais j'avais pas vu. Ah, mais moi, j'étais au codex. Et non pas au Olex. Mais attends, comment je fais pour y accéder? Bon, ça, c'est le blason, c'est super. D'ailleurs, moi, je veux un blason aléatoire. Est-ce que je peux faire un blason aléatoire? Alors, on va faire... ouais, ça, c'est très bien. Ok. Détail, Hall du Seigneur. Ajoute un emplacement de compagnons supplémentaires dans les escouades. Vous pouvez envoyer une seconde escouade. D'accord, donc c'est ce que je vais faire. Alors, attends, il faut que je fasse quoi? Un emplacement de compagnons dans les escouades. Donc ça, faut que j'aille dans la caserne. Ça va aller, hein. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Hein. Alors.
Améliorer au niveau 2. Bah, j'ai pas assez. J'ai pas de ressources. Alors, comment on fait? Oui, améliorer la caserne. Ça, j'ai bien compris. Bon, attendez, on fait une pause YouTube. Je comprends rien. Ah, tout de suite. C'est bon, YouTube, on a trouvé. C'est, en fait, fallait juste mettre la souris là, alors que je joue sur Xbox, mais tout va bien. Voilà, allez, on y va. Donc là, on va envoyer des compagnons pour récupérer des ressources. Donc, préparation des squads. On va mettre Gwenael. On va mettre Willibert. On va mettre Jacques. Jacques Chirac. C'est lui. Jacques Chirac. Alors, est-ce qu'on a des bonnes ressources? Ouais, ça me semble pas mal, hein. Gwenael, Viranog. Ouais, ça me semble bien. Allez, on envoie les compagnons. Let's go. Oui, parce qu'en fait, il faut savoir que dans le jeu, vous allez avoir des choses qui vont vous permettre donc de récupérer des ressources. Et ces ressources vous permettront d'améliorer un petit peu tout ça. Et donc, je suppose qu'il faut passer le jour. Ah, voyage terminé, voilà. Ah, alors, lancer la bataille. Ah, on peut... Donc, on peut jouer, ça y est? Ah oui, c'est... D'accord, ok. Oui, d'accord, ok. Donc là, maintenant, on peut lancer la bataille. Ok, c'est... j'ai compris. Ça y est, j'ai compris. J'ai compris comment on joue au jeu. Alors, faut savoir qu'à la base, quand on se lance au début, il n'y a pas de tuto, il n'y a rien. Hein. Le jeu, il se lance comme ça. Oh là là! Oh, le brouillard de guerre! Oh, oh là là, le brouillard de guerre, au secours! Alors, attendez. Donc, j'ai mon ennemi. L'ennemi, il est là. L'ennemi. Donc... Alors, l'objectif, c'est quand même de bien jouer. Hein. Donc, on va essayer de bien jouer. On va essayer... je vais essayer de bien jouer. Hein. Excusez-moi. Ma lame est vôtre. Oui, ma lame est vôtre. Amicalement vôtre. Avec moi. Incroyable. Où est Cunégonde? Incroyable. Ah oui, il y a un ours. Un ours. Est-ce que je peux aller jusque là? De toute façon, pour l'instant, je peux pas trop bouger. Ouais. Ça, c'est son ours. Lui. Lui, bah, il va aller là. Puis l'ours, il peut... L'ours, il se déplace ou... Comment ça se passe? Ah non, l'ours, il peut se déplacer. Bah, l'ours, on va le mettre là. Ouais. Très bien. Salut Léa, bienvenue. Salut à tout le monde, ceux qui rejoignent le live, évidemment, bien sûr. Ah, j'aurais peut-être dû faire une attaque de vigilance. Quoique, là, il m'a pas vu. Donc, tout va bien. Ah, ils se barrent tous. Ils se barrent dans l'obscurité. Ouais, parce qu'en fait, pour l'instant, ils m'ont pas trouvé. Donc, potentiellement, on va pouvoir commencer à préparer les troupes. Il y a un petit côté comme ça, hein, dans Mutant Year Zero, justement. Où je... Tant que t'es pas repéré, tu peux... Ah oui, d'accord, il est quand même assez loin, lui. Alors, je pourrais tenter de mettre une posture de vigilance. Par exemple, en le mettant là. Si ça bouge, je tire à votre service. Ouais, si ça bouge, je tire. Je tire dessus. Bah, de toute façon, on n'a pas trop le choix, je suis obligé d'avancer. Hein. Alors, si je fais ça, il va me voir, forcément. Bah, de toute façon, j'ai pas le choix. Allez, vas-y. Et là, il va faire... comment c'est? Vous avez été repéré. Voilà, donc là, ça va commencer à s'exciter un petit peu. Ah, il a pris un dégât, j'ai vu. Alors, est-ce que je peux l'attaquer? Votre attaque cible est point faible. Oui. Allez, on l'attaque. Ok. Lui, c'est pareil, on va l'attaquer. Alors, il faut se mettre comme ça, c'est un peu bizarre d'ailleurs, il faut se mettre vraiment à côté, et ensuite, après seulement, on l'attaque. C'est un peu bizarre comme façon de faire, mais bon, pourquoi pas. Pas de pitié pour les croissants! Voilà, et donc là, on va se mettre en mode vigilance. Vous allez me dire, ça sert pas à grand chose, mais quand même. Hop, on va faire ça. Voilà, on va se mettre là. Est-ce que lui, il a plus de vigilance? Non. L'ours, bien sûr, on va mettre l'ours. L'ennemi, voilà, c'est ça. IA sur 20. Ah, écoutez, regardez l'ours. L'ours. Voilà, l'ours, il va tout bouffer. Hop, on va faire ça. Un coup de griffe, regardez. Je fais bien l'ours, vous avez vu? C'est impressionnant. Ah, incroyable.
Incroyable. Ah oui, il y avait lui aussi. Avec sa grosse hache. Bah pour l'instant, on peut pas faire grand chose avec lui. Ah, j'aurais dû prendre l'autre. Ouais, tant pis. On va faire avec. Mais attends, mon arbalète. Je l'ai déjà fait attaquer. Oui, exact. Autant pour moi. Fin du tour. J'ai vu une grosse bête. Oh, bien sûr. Ah oui, il s'est mis dans mon dos. Ah, super. Bah, super. Oh, lui va être chiant. Oh, lui va être chiant. Les attaques à distance. Oh là là. Oh oui, lui va être casse-couille. Oh, oui, oui. Oh là là. C'est bon. Mon ours, il est encore là. Mon ours est là. Un ours. Ah, j'aurais dû faire ça, la fiole de feu. Sauf que là, ça touche mes potes. Ah, dommage. Dommage. Bon, on va se contenter de faire ça. Allez, tire concentré. Bim, dans ce gueule. Comment ça, un point de vie? Sous ma gueule en plus. Pardon. Bah attends, on va se mettre en vigilance du coup. En vigilance. Ça bouge, je tire. Lui, on va se mettre là. On va se mettre derrière, comme ça on va lui faire la max de dégâts dans son dos. Attention. Enfin, à la max. Ouais, ça, ouais, 4 points quoi. Ouais, 4 points, on va dire ça comme ça. Hein. Bien sûr. Par contre, lui, on va le faire venir là. Je ne faillirai pas dans mon combat contre l'impunité. Hors de mon chemin! BG3 en PS. Ah, c'est sûr que... C'est sûr que... C'est pas BG3. Hein. Ça, je pense que vous l'avez bien compris. Ah, il n'y a pas de surprise. On va récupérer le point d'armure. Clac, clac. Clac, clac dans tes fesses. Et hop. Donc lui... Ah bah lui du coup on va faire... on va mettre l'ours là. Allez. Alors c'est pas vraiment le positionnement que je voulais, mais c'est pas grave. On va faire avec. Allez vas-y. Tiens, bim. Et fais des dégâts. Fais des dégâts. Oh. Oh là là, il est en train de le bouffer. Enfin presque. Ouais, les dégâts sont plutôt pas mal. Alors lui par contre, est-ce qu'il peut aller jusque là? Eh non. Par contre, il peut se mettre là. Il peut se mettre là pour se planquer. Je me positionne. Allez, fin du tour. Hey, mon ours! Du calme avec mon ours. Ah, bien sûr, il se barre. Ah, punaise, ça y est, je l'enlève plein le cul. Plein le cul officiel. Je prends place. On va aller là. Alors, est-ce que on peut... Oh bah oui, bah très bien. Alors là, on va pouvoir faire un petit peu de dégâts. Là. Regardez. Hop, un petit peu de dégâts. Là. Magnifique. Oh, ça fait des... Oh, magnifique petit dégât de brûlure. On est bien. On va pouvoir même rajouter une petite attaque. C'est bien. C'est suffisant. Parce que là, en plus, si je veux... Est-ce que je peux me mettre là? Ouais, mais si je me mets là, j'attaque pas. Si je me mets là, j'attaque pas. Par contre, je peux aller là, quand même. Voilà. Et je peux me mettre en vigilance. Voilà, posture de vigilance. Bon, mon ours, bah, il va aller là. Je pense que l'ours, il va prendre un petit peu le DPS. Hein. Je pense que c'est le but. Parce que je suppose que là, je peux pas l'avoir. Oh, je peux l'avoir ici. Oh, ouais, incroyable. Attention. Il est fort l'ours. Hein. Ouais, l'ours est plutôt très très fort. Et du coup, ah mais attends, si je passe là, j'ai pas... Ah mais j'ai pas assez de place. Ah dommage. Quoique, si je me mets là. Attends, on va se mettre là, on va essayer. Hein. C'est du niveau de France 44, ça casse pas la baraque, mais ça reste plaisant. Ouais, c'est pas non plus... Enfin voilà, encore une fois, le jeu n'est pas... C'est pas non plus... Voilà, on sent tout de suite que ça sera pas de grand jeu. Mais je pense que celui qui veut un truc qui se prend pas trop la tête, c'est bien. Hein. Aïe! Perce armure. Ah oui, parce que je me suis mis en mode vigilance. Vigilance. Allez, on le termine. Oh non, l'esquive. Oh, t'es sérieux?
Hop. Et ben on va lui remettre dans ce gueule. Voilà. Ah c'est pas fini. Ah il y a une autre, il y a une autre partie. Ah d'accord. Attends. Ah oui d'accord, c'est ici. Ok. Bah on y va. On y va. On va tous, bah on va tous les amener de toute façon. Le but ça va être de tous les amener. Mon ours aussi. Mais attends, il y a personne qui avance là pour l'instant. Mais. Ah ouais d'accord, ok. Allez, dépêche-toi. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais... D'accord, il passe par là. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi? Mais pourquoi il est passé là? Mais pourquoi il est passé là? Je me positionne. À vos ordres. Allez. Toi. Ah oui, non, faut attendre que l'autre il se bouge pour que. D'accord, très bien, très bien, très bien. De toute façon, on va juste les positionner. Puis on va. On va attendre. Non, 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 pas ici, pas ici. Pas ici, malheureux. Je peux pas aller. Ah, je peux pas aller plus loin. Oh, c'est chiant ça. Oui. 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 Apprenez à dire oui. Donjon Hellbuck, non, j'ai pas fait. Non, 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 j'ai pas fait. Je sais pas si c'est vraiment bien. Tour ennemi. Voilà, forcément, il m'a pas vu. Ouais, par contre, là. Ouais, faut voir si ça va passer. Hein. Pas sûr. Hein. Pas sûr. En fait, là, ici, l'objectif, ça serait de les surprendre. Ça serait de pouvoir les surprendre pour qu'on puisse y arriver. Mais bon, le problème, c'est que là, pour le moment, on n'est pas forcément très bien placé. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, dès qu'on est là, c'est terminado, quoi. Mmh. Je suis prête. Oui. Ouais. Oui. Apprenez à dire oui. Je peux essayer d'aller là. On va regarder. On va regarder si c'est bon. Parce qu'après, je peux essayer de me mettre en vigilance. Comme ça, par exemple, tu vois, là. Hop, on s'est mis en vigilance. Lui, on se met en vigilance aussi. Et en fait, l'objectif, ce serait de mettre l'ours là pour qu'il nous repère. Comme ça, ils vont avancer. Ouais, l'archer en haut, ouais. Faut que je le mette en haut. Oh ! Bon, voilà, donc du coup, l'ours est là. Oh, bien sûr. Mon archer. Alors, est-ce que tu peux aller en haut? Ah, il a pas de position pour aller en haut. Ah, ça c'est cocasse. Enfin, si là-bas, mais c'est trop tard. J'aurais peut-être pas le temps. Ah, j'ai pas de putain, fais chier. Ah, tant pis, je vais le mettre là. Ah, j'ai pas de place. Enfin, j'ai pas suffisamment ce qu'il faut. Par contre, là, y a peut-être moyen. Là, il y a peut-être moyen de se mettre là. Ah ouais, mais non. Bah non, non. Par contre, l'ours... attends, l'ours. L'ours, il peut attaquer. Ah oui, l'ours peut attaquer. Oui, bien sûr. Vas-y, attaque l'ours. Ah, il peut attaquer en diagonale. C'est bon à savoir, hein. C'est bon. Mais alors, t'avances ou quoi, bordel ? Entendu. J'ai rien dit. Je préfère rien dire. Je vais m'énerver. Et puis, lui, ça pourrait, on pourrait le faire, on pourrait me mettre ici, mais bon, il attaquerait pas, donc ça sert à rien. Par contre, on peut le mettre en vigilance, comme on dit en Overwatch. Overwatch. C'est Crown Wars, oui, j'ai oublié de le dire, mais... Oh putain, mon ours, il va tout prendre. Oh, il a esquivé. Incroyable, qu'est-ce qu'il fait, lui? Oh merde. Merde, il y a mon archer, là-bas. Qu'est-ce qu'il fait? Allô? Allô? Attendez, je crois qu'il a bugué. Oh, ah, tout ça pour ça. Ah ouais, magnifique. Mais, oh non, mon ours est aveuglé. Oh. Bah super. Non mais vraiment super. Oh par contre, attends. Alors là par contre, il y a des trucs qui peuvent être... Oh, la petite fiole... Ah non, c'est une fiole de soie. Merde. Alors, c'est pas vraiment ce que je voulais. Bon, après, le soin, pour l'instant, pas forcément besoin. Ah, zut. Je pensais qu'on aurait pu faire autrement. Bon, tant pis. Par contre, alors, lui,
Lui, je vais... Très bien. Ouais, lui, je vais l'atomiser. Par contre, on est sur la même case, là, non? J'ai l'impression. J'ai l'impression qu'on est sur la même case. Allez, bim, voilà, chose est fait. Hop, on l'a remet. Bim, chose est fait. Voilà. Oui. Très bien. Je m'en lasserai jamais. Oui. Apprenez à dire oui. Ouf. Ouais, ça peut faire des dégâts. On va faire des dégâts avec lui. Non, qu'est-ce qu'il fait? Ouais, lui. N'attendez pas de pitié. Pas de pitié pour les croissants. Alors, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire, hein. Parce que je pense que je peux quand même me faire assez vite démolir. Parce qu'il y a lui que je peux essayer de viser, ou je peux peut-être viser lui. Ou peut-être lui. Si je me déplace. En fait, si je me déplace, par exemple, genre... Ah ouais, mais j'ai pas... Ouais. Parce que si je me déplace là, et que je fais ça, je peux essayer au moins d'avoir lui. Donc je vais lui faire des dégâts. Salut Olex, bienvenue. Oh, l'esquive qui m'a tapé, connard. Et on va se mettre en Overwatch. Voilà. Bon. On se met en mode Overwatch, comme ça, qu'est-ce qui se passe? Bah en fait, on va de ce fait faire un max de dégâts quand il va bouger. Ce qui potentiellement va arriver. Hop, petit empoisonnement. Oh, bien sûr, il m'a esquivé, connard. Alors, c'est là où il faut bien faire attention. Oh, bon, oui, alors là, tous les jours, hein, bien sûr, c'est lui. Allez, vas-y. Mais non, pourquoi l'esquive? Oh là là, ça y est. Oh, voilà, ça y est, c'est un jeu à la XCOM. Ah, merci. C'est mieux. Voilà, c'est beaucoup mieux. Merci, mon ours. Merci, l'ours. Un ours. Vous avez vu, mon ours, hein? Vous avez eu Booba, mon petit ourson, là. Oh, l'esquive, voilà, oh, il m'a tapé une de ses esquives. Oh là là, la double esquive. Oh, c'est magnifique, en fait. Ouais, par contre, celle-là, je l'ai pas volée. Hein. Oh, la double esquive qu'on vient d'avoir, là. C'était assez joli, je dois bien le reconnaître. Alors, du coup... ah oui, mais attends, non, il y a mon pote, là. Attendez, j'ai vu mon pote, il est encore là. Mon pote, il était encore là, je l'avais pas vu. Et je peux même, à la limite, je peux encore me déplacer pour lui faire une petite attaque. Allez, hop, allez, casse-toi. On est pas mal. Oui. Oui. Voilà, parfait. Bon, on a des petites animations comme ça qui fonctionnent bien. Hein. Après, encore une fois, hein, c'est pas incre, comme on dit, c'est pas incroyable. Mais bon, ça fait son petit effet. Hop, et on va pouvoir leur attaquer. Bien sûr. Bon, là, on va le prendre en étau. Hein. On va le prendre en étau comme Samuel. Parce que Samuel est étau, bien sûr. Attention. Ouais, bien joué. Encore une petite. Allez. Oui, bien joué. Oui. Oui. Attendez, je veux que ce soit l'ours qui le bouffe. Vas-y, bouffe-le. Victorieux! Et ben voilà! Et ben voilà, on est bien! On a gagné! C'est jouable sur Steam Deck ce jeu? C'est une très bonne question. Je sais pas s'il est Steam Deck friendly. J'en ai aucune idée. Je ne sais pas. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a gagné? On a gagné de l'XP, très bien. Niveau 2 atteint, pour tous. Alors, par contre, full caisse là. Full caisse, c'est plutôt full pâte à caisse là. Hein, parce que là, il a pris très très cher quand même. Hein. Bon. Ok, ouais, l'alchimiste. De toute façon, l'alchimiste, ça, c'est important. C'est important, parce que ça peut permettre notamment de soigner, donc voilà. On a donc nos ressources. Bien. Et donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est que maintenant qu'on a nos ressources, eh ben, on va pouvoir améliorer eh bien, des petites choses. Par exemple, je peux mettre la chapelle pour soigner les gens qui sont pas bien. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce qu'on peut faire. Ah non, non, je l'ai débloqué celle-là. Autant pour moi, pardon. Je l'ai débloqué, donc là, en fait, je vais pouvoir juste améliorer. Alors, moi, je serais tenté d'améliorer ça. Ah, il me faut du bois. J'ai pas assez. Je n'ai pas assez, quel dommage. Quel dommage, quel dommage. Alors, par contre, là, elle a une petite compétence. Ah, voilà, une petite compétence. Alors, attendez. Qu'est-ce qu'on sélectionne? On lance une concoction là-dedans. Ouais. Ah, c'est pas mal, ça, hein.
Les deux sont bien. Les deux sont bien. Je pense qu'on va prendre celle-là. Ouais, on va prendre celle-là. Ensuite, j'ai vu, il y avait Willy Bear. Alors, vous et votre bête frappez avec une cornicière parfaite. Mmh. On va prendre ça. Ouais. Ok. J'ai vu qu'il y avait Jacques. Allez, Jacques. Ouais, ça, c'est pour provoquer. Ouais. Ça peut être intéressant, la provoque, mais bon. En soi... Par contre, full caisse... Malandrin. On va mettre ça. Ok. Bien. Allez, on est reparti. Sur Steam Deck, ça me met non pris en charge. Ah, dommage. Dommage, dommage. Alors, attendez, qu'est-ce qu'on a ici? Escarmouche. Ouais, et là, c'est quoi? Assassinat. C'est quoi, ça? Une affaire urgente. Éliminer la cible. Ok, 14 jours de voyage. Ah, il y a quand même 14 jours de voyage. Ah, c'est vrai que c'est loin. Sinon, après, il y a celle-là. On va peut-être faire celle-là, hein, d'abord. Tant de faire le chemin. Ah, mais les autres se reposent, en fait. Ah, merde. Ah, j'ai pas... Ah, ouais, mais attendez. Mais non, c'est... Je peux pas prendre les autres. En fait, ils se reposent. Bah, zut. Attendez. Ah, ouais, non, c'est ceux qui sont soignés en étant tombés au combat, donc non. Bah, pourquoi je peux pas prendre les autres? C'est quoi le jeu? C'est Crown... Crown Wars. Ah ouais, ils sont où les autres? Ils sont partis dormir. Ah oui, ils sont... Ah, ils sont en... D'accord. Bah écoute, bah tant pis alors, on va prendre les autres. Hein. Bon, bah écoutez, ma foi... Bon, on va faire ça, hein. Ok, maintenant on les envoie. Ah oui, il faut passer les jours. Ok, let's go. On y va. Un chien. Putain, le chien. Chien. Salut Brando, bienvenue. Pas de stuff à récupérer, dommage. Non, pour l'instant, en tout cas, on est au début. Hein. Pour l'instant, non, il n'y a pas trop de ce genre de truc à récupérer. Après, vous l'avez vu, hein, je pense qu'il n'y a pas de surprise. Hein. C'est pas Baldur's Gate 3. C'est pas du grand jeu tactique. Hein. Qu'on soit bien clair, je pense que là-dessus, on l'a bien compris. Je pense que vous l'avez bien compris aussi. Petit budget, petit studio. Voilà, c'est. On sent bien que. Bon. Is not ouf. Ouf. Bah après, ça se laisse jouer. Moi, c'est ce que je retiens. Par contre, les temps de chargement. Ah, alors. Début de la bataille. Début de la bataille. Alors, vu comment c'est placé, j'ai l'impression que je vais me faire repérer. Non, ça va. Quand vous voulez, je viens. Alors, l'objectif serait quand même d'aller là. Comme ça, on va les surprendre. On va amener le chien de l'autre côté, parce qu'au moins, comme ça, ça permettra de pouvoir un peu surprendre. Ok, et on a lui, on va le mettre là. Tu vas craquer pour le steelbook de Silent Hill 2, je le trouve pas incroyable. Ouais, j'ai vu. Putain, ça me fait chier, en fait. Clairement, ça me fait vraiment chier. Oh, alors là, on peut tous les avoir d'un coup. Enfin... En tout cas, ils peuvent avoir un truc de brûlure. Et je pense que c'est ce qu'on va faire. Attention. Ah ! Mon dieu, les textures qui apparaissent pas. Allez, tiens. Bam ! Oh, petite brûlure. Très bien. Très bien, très bien, on est bien. Je veux dire, par contre, là, on voit plus grand-chose. Alors, ça commence à se... Ouais, ça commence à bouger un peu. Mais ouais, je... Un plaisir d'être avec toi et le chat en live comme d'hab, quoi sourire. Merci Liver, merci beaucoup pour les 30 balles. Un plaisir d'être avec toi et le chat en live comme d'hab quoi. Allez, une petite danse du sub évidemment. Combien pour les 30 euros.
Merci infiniment pour les 30 balles. Merci le prince. Et merci pour le soutien surtout, merci beaucoup. Des bisous, merci à toi. 30 francs. Comment ça 30 francs? Comment ça? Vous m'avez trahi, comme ça? Ouais, voilà, c'est, voilà, c'est reparti. C'est reparti. Ah oui, attends. Attends, est-ce que on peut se mettre en Overwatch? Ah oui. Attends, Overwatch. Hop, comme ça, on va se mettre comme ça. Hop, Overwatch. À moi. À moi. Hop, on va faire pareil ici. J'ouvre l'œil. Overwatch. À votre service. Voilà. Parce que forcément, ils vont être tentés. Ils vont être tentés d'avancer. Hein. Donc il faut vraiment qu'on se mette en Overwatch. Ok, et lui, forcément... problème, c'est que là, il va vouloir viser lui. Et je peux pas avancer plus. Tant pis. Tant pis, on va se mettre en Overwatch quand même. On va voir. Ça, je pense que l'autre, il va prendre cher. Mais bon, tant pis, on va voir. Oh là là! Mais il y en a encore plein là-bas! Oh, super! Ah, la brûlure. La brûlure a fait son effet. Ah ouais, forcément. Aïe. Aïe. Ah bah du coup, il se barre. Oh là là. Mais il va tout prendre dans la gueule. Bon bah, adieu. Ah ouais, puis le texte. Oh oui. Bon bah, super. Ah, voilà. Attends, il a frappé mon chien, là. Connard. Pardon. Moi, non, je ne vous décevrai pas, votre cher. Allez, vas-y, mords-lui les fesses. Oh, par contre, il a une résistance assez folle. Hein. Après, la morsure est plutôt forte. Oui. Alors, c'est pas la meilleure des stratégies. Hein. C'est pas la meilleure, hein, j'en conviens, mais on va faire avec. Hein. Avec moi, tout de suite. Que je trépasse si je faiblis. Vaut rien, malandrin. Hors de mon chemin. Oh, il m'a tapé une esquive. Mais quel enfou. Alors, si tu passes là. Est-ce que tu peux lui mettre un petit coup de surin? Ah, il est empoisonné. Oh, on aime bien. On aime bien quand ils sont empoisonnés. Après, par contre, là, du coup, je vais prendre quand même, je pense, excessivement cher. Là, il va me falloir la potion de soin. J'ai pas le choix. Ok. J'attends. Ah oui, c'est vrai que lui, il a l'arbalète. Ils vont m'attaquer. Putain, fait chier. Parce que si je bouge, ils m'attaquent. Donc par exemple, si je vais là, regardez ce qui va se passer. Oh, j'ai tout pris dans la gueule. Ok, ça va aller. Non mais ça s'est bien passé. Ça va aller. Bon, ça, je pense que la mission, elle va très mal se terminer. Autant la première ça a été, autant là, je pense qu'on va... Ah, j'entends une... Ah oh oui, l'autre il va arriver derrière. Oh mon dieu, au secours. Adieu. Oh, l'esquive. Incroyable. J'allais dire merci, je vois rien. Ok, c'est bien, il a esquivé. Hey, mon chien. Connard. Tue pas mon chien. Petit nuchin. Allez. Bim, allez hop. Par contre, ça fait vraiment tellement peu de dégâts, au secours. Ça me rappelle BG3, je me désengage jamais, du coup, toujours des coups de merde. Je ne vous décevrai pas. Ah, c'est souvent comme ça. Hein. C'est souvent comme ça. Après, normalement, faudrait la jouer vraiment très 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 stratégique, tout ça. Meurs, vil gredin. Voilà. Et donc, du coup, le chien, eh ben, on va l'amener là. Hein, pour qu'il morde les petites bouboules du gars, là. Hein, on va lui mordre les boules. Allez, vas-y, mords-lui les boules. À Istanbul. Hop, voilà. Ça fait quand même moins de dégâts que l'ours, hein. On va pas se mentir.
J'aurais quand même préféré que... Enfin bref. Tac. Hop. Tac. Voilà. Et un petit finish move. Très bien. Très bien, très bien. Est-ce que je peux avancer? Oui, je peux avancer. Alors par contre, c'est vrai que la caméra, c'est pas toujours évident. Et donc là, normalement... Hors voilà. De mon chemin. Hors de ma vue, ville. Manant. À votre service. Oh, lui, je peux l'avoir direct, je pense, non? Ouais, allez. Ouais, j'ai eu de la chance, hein. J'ai eu de la chance, clairement. J'ai eu de la chance. Il manque plus que lui, sauf que bah ils peuvent plus attaquer, donc faut relancer le tour. Ah, Jack d'Alliance, ouais. Ouais, j'avais vu un peu le live de... Oh, elle esquive. J'avais vu un petit peu le live de... Ah. De Chocapic. Enfin, de Hogwarts, du coup. Et... Ah oui, 12 tours avant la défaite. Ah, j'ai oublié ce léger détail. On a du temps. On a du temps. Oui. Oui. Et en fait, ouais, il y avait dit que, bon, c'était... c'était pas ouf, quoi. C'était pas incroyable. Donc, bon. Mais il y avait quand même passé du temps dessus, hein. Il me semble que... De mémoire, il avait dit, bon, c'était pas non plus incroyable, mais que c'était quand même plutôt sympathique. Hein. Et puis j'avais vu le live, je me suis dit, bon, ça a l'air bien. Ça a l'air plutôt le fun, comme on dit. BG3 a tellement break la game qu'il a regardisé tous les CRPG, même les plus sympas. Mais ça, c'est un peu le je vais pas dire le regret, mais c'est ce qui va arriver de plus en plus. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Alors, est-ce qu'il va me voir? Non. Par contre, ça commence à être compliqué, parce que là, on va vite, je pense, se faire repérer si on fait pas... Si on fait un petit peu du caca, comme on dit. Parce que là, je peux peut-être mettre avec mon arbalète, mais en fait, non. Je me rends compte que non. Donc, ça va être chiant. Lui, on va le mettre là. Je peux attaquer. Et je pense qu'après, je me mets en Overwatch. On va essayer. Hein. Pas sûr que ça fonctionne. Ah, ça y est, il va bugger. Ils ont pas encore livré les BG3 Xbox ? Et ils ont pris un peu de retard. C'est dommage. Mais pourquoi il se met là ? Mais espèce d'imbécile, va ! Je t'ai jamais dit de te mettre là. Ok. Ça, c'est pas mal. Voilà, il a décidé de se mettre là. Très bien. Bref. C'est ok. Bah, si tu veux. Ouais, enfin, bref. Bref. Je vais rien dire, mais comme on dit, j'en pense pas moins. Alors, du coup, je peux... Qu'est-ce que... Putain, mais il a fait... Enfin, le placement du... Enfin, je lui ai même pas demandé de faire ça. Mais enfin, bon, bref. Hein. Allez, on va dire que... Hein. Alors par contre, ça c'est très dangereux ce que je suis en train de faire. Je suis en train de prendre des risques considérables. Ouais, et pas qu'un peu. On va se mettre en Overwatch. Est-ce que ça sert vraiment de toute façon de se mettre en Overwatch? Je ne sais pas. Lui, on va l'amener là. Puis on va lui déglinguer sa gueule. Il y a encore des gens sur Xbox? Bah oui, la preuve. Coucou. Ah, concassage, je lui ai fait des dégâts. Très bien. Et donc là, du coup, on va pouvoir lui mettre... À votre service. On va pouvoir lui mettre cher. Ouais, lui, faut qu'on avance. Faut qu'on avance, et à la limite, d'accord. Faudrait qu'on prenne l'aggro. Faudrait qu'on prenne l'aggro. Je tiens cette position. Oui. Oui. Ouais, il y a juste lui que ça me saoule. Parce que lui, il peut m'avoir de loin. Hein. Je peux mourir. Hein. Je peux mourir à tout instant. Et c'est ce qui va se passer, d'ailleurs. Regardez. Vous allez voir, c'est impressionnant. Attention. Non, le chien ! Ah ! Alors, il y a des moments, la caméra, je sais pas ce qu'elle fout. Hein.
Je sais pas ce qu'elle fout la caméra, mais Oh, coup de marteau. Oh, le chien. Le chien va mourir. Je crois que le chien il va mourir. C'est une étape, hein. J'ai envie de dire c'est la prochaine étape. C'est malheureusement la prochaine étape. Hein. Oh, un petit coup critique. Oh putain, coup critique, franchement, ça par contre, ça fait très très plaisir. Pas le dogo. Oh, coup critique, putain, bien. Le dogo. Bah, la logique voudrait que je le fasse venir là. Le dogo. Puis on va lui faire une capacité de morsure. Hop. Et avec de la chance, il va pouvoir le tuer. Oh, bien sûr, évidemment que non. Hein, parce que c'est comme XCOM. À vos ordres. Alors, lui... Ah, lui, l'objectif, en fait, ça serait... Ah ouais, mais bon... Ah, ils sont en Overwatch, eux, j'ai l'impression. Attends, là, je suis là. Petit coup d'arbalète. Alors, soit j'attaque lui, ou lui, ou lui. Ah, j'ai plutôt... Non, j'ai plutôt à essayer d'avoir eux. En priorité pour essayer de faire des dégâts. Ouais. Et là, on va se mettre en Overwatch. Overwatch. Si ça bouge, je tire. Prêt à partir. Ok. Mon archer, je peux plus rien faire. Ah oui, donc il m'en reste plus que deux. Ah. 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 Bah tant pis, on va essayer. On va essayer comme ça. Là, je vais passer. Là, je prends des dégâts, voilà. Merci à tous. Toujours la banane, toujours debout. Allez, qu'on casse le. Ok. Ok, donc on lui a enlevé presque son truc. Ma lame est vôtre. Ma lame est vôtre. Ah, mais on peut le concasser aussi, lui. Très bien. Ah oui, c'est vrai qu'en en diagonale, il peut se mettre. Et je trouve que c'est très intéressant, ça. Bon. C'est bien, mais c'est pas ouf, hein. Je pense que je vais mourir. Je pense que je vais décéder. Bon. Ok, attaque de vigilance, on est bien. Ok, l'esquive, très bien. Ah, lui, il va être chiant. Il va me tuer mon dogo. L'esquive, très bien. Ah bon, lui, le dogo, il y en a rien à foutre. Ah mais non, mais il a tué l'autre, du coup. Bon, bah d'accord. Ouais, ok, esquive. Ok, bon. Bon. Bon, bah c'est pas... Ouais, bah très bien, hein, écoutez. On va dire qu'on va faire avec, hein. On va dire qu'on va faire avec. Je vais me mettre là. On y va. Puis. Non mais le dogo, ça va. Le dogo va bien. Par contre, du coup, je vais me mettre en Overwatch ici. Overwatch. Du coup, le chien. Le chien. Il va mordre le chien. Voilà. C'est bon. Mordu. J'ai envie de dire, il a mordu à l'hameçon. Merci à tous. Et donc, bon, on va le mettre là, hein. Voilà, on va lui faire des dégâts considérables. Attention. Vaurien, vil gredin. Sobriquet. Et non pas saupiqué. À vos ordres. Ah oui, c'est vrai qu'il reste plus qu'elle. Je vais vite en finir. vite, c'est vite dit, hein. C'est vite dit parce qu'on n'y est pas vraiment, hein. Ah, c'est chaud, hein. C'est chaud, on n'est pas forcément très bon. Ah oui, le poison. Ouais, le poison fait plaisir. Oh, l'esquive. Ouais. Oh, le coup de marteau, il fait tellement mal, par contre. Le coup de marteau. Je peux peut-être essayer de l'avoir, lui. Ah, quoique. Ouais, si. On va faire ça. Par contre, le... Pathfinding, c'est pas... Pas incroyable. Oh bah super. Pas de pitié pour les croissants. Ah voilà, oh, super, bah, très bien. Voilà, ça ne pouvait que bien se passer. Donc lui, on va revenir là et je vais lui faire des dégâts absolument mirobolants. Dieu guide mon bras. Bim, allez dans le cul. Voilà, ça c'est fait. C'est pas fini? Comment ça c'est pas fini? Traquer, éliminer tous les ennemis. Mais ils sont où les autres? Putain, mais il y en a encore là-bas!
Mais... la mission... Attends, c'est bien ce que je pense. Attendez, je vais en avoir le cœur net. C'était Crown Wars, merci d'avoir regardé, des bisous, à très bientôt pour de prochaines aventures. Ciao, ciao.